cœur mixé, c'est reproduit, c'est repensé. J'ai gardé les a cappella, j'ai tout reproduit derrière, en modifiant des choses, en réarrangeant les choses. Et une fois que ça a été fait, j'ai enlevé l'original. Et j'ai fait chanter par Brandon Reilly, qui est un mec assez génial. Et je lui ai fait chanter tout l'album pour rester bien compact, comme on faisait dans les années 70s. On avait un chanteur qui chantait tout l'album. Science opened up the door. We would feed the hungry feet till they couldn't eat no more. No, you ain't coming in dressed like that. This is the Lux. Oh, you're handsome. Welcome back. C'est Victor Lemaine, qui est le directeur de la musique des CIO, qui a demandé à ma maison de disques de me rencontrer parce qu'il prenait Give Me Love. Donc il y a aussi Give Me Love dans la célébration. Je lui expliquais que j'étais en train de faire mon catalogue en symphonique. Je lui fais écouter ce qu'on avait fait au synthé, qui a tout été repris après par Randy Carver, qui est le chef d'orchestre. Et Victor fait « Waouh !» Oh là là, j'ai une idée. Je ne savais pas ce qu'il avait en tête. Et à peu près 3-4 semaines après, il m'a dit « Écoute, j'ai présenté l'idée de finir avec Supernature. » Tout le monde, à l'unanimité, a dit « Quelle belle idée !» C'est parti comme ça. Grâce au DJing, je me revisite constamment mon catalogue. J'ai trouvé qu'il y avait une vraie tendance de retour de symphonique un peu partout. Fait dans le côté dance, il y a Pitong qu'on fait pas mal. Il y a Ibiza, enfin bref, ça commence. Et j'avais ça en tête. Et c'est au début de l'année dernière, mon manager me dit que la ville de Nice l'a appelé pour savoir si je me prêterais au jeu. Ça s'appelle C'est pas classique. Ils font ça tous les 2-3 ans. Ils ont fait Prince, ils ont fait Gainsbourg et ils ont fait Bowie. C'est incroyable parce que j'avais ce sentiment qui commençait à naître. L'opportunité était trop belle. Donc je l'ai fait et Randy Carver a compris que je pouvais changer le minimum des arrangements. Et c'était ça le truc, avec un son plus électro aujourd'hui bien sûr. Mais tout ce qui était les bois ou les cuivres, c'était identique en vrai live. Et ça a été magnifique. Et cet album va sortir à la fin de l'année, j'ai hâte, je suis très fier. Ouais. J'ai pris 20 titres de mon catalogue, c'est connu. Un dit aux amateurs sans prétention, on se vous attend.